Bon, ben maintenant poursuivons. Avec cette course-ci, le parc aquatique. L'avant-dernière course que j'avais joué hier soir. On allait me coucher. Là, je me suis retrouvé un bon moment sans système. Puis dès au moment que j'obtiens l'item en 4e place, devinez c'est quoi qui est apparu. Un champignon. Lui en 3e place, une étoile. Lui qui est en arrière, un triple champignon. Je suis là, mais pourquoi? Pourquoi eux autres ont de la chance, puis pas moi? Vous voyez, moi, le jeu est trop injuste envers moi. C'est toujours ça qui arrive. Dans cette circonstance, je suis en 4e place. Au lieu d'être en 10e, en 7e, ou en 11e, ou en 12e. Là, tu sais, c'est vraiment chercher pour venir à mon item au départ. Moi, c'est ce que j'obtiens, une pièce. Mais j'ai l'impression de ne pas être atteint. Je pense que je dois être en 4e place en ce moment. Ouais, je suis en 4e place. 3e. Mais, vous voyez ce que je veux dire par là. Les gens sont trop chanceux. Moi, je peux jamais être stable pantoute. Que vous voyez, je peux pas passer 5 secondes sans me maintenir. Bon, un champion doré. Là, je retombe, je pense, 4e. Pas de thème. Regardez ici. Il y en a un, deux joueurs. Bon, checkez bien. J'ai pas d'item. L'autre a carapace rouge en arrière. Regardez, étoile. Oh non, c'était un Metal Mario. C'est lui qui avait un carapace rouge là, qui est dans le coin. Vous avez vu? Les autres sont chanceux, ils ont des bons items. Et lui, il est en 3e place. Il y a ses rangs maudits. Une étoile, il doit être choyé en ce moment, là, Yoshiro. Moi, j'ai rien. En quoi? En cause qu'on fait les blocs d'items que je voulais. Regardez, je suis en 4e place, j'obtiens ça. Un petit champignon. Ah, oh, trois champignons en arrière. Pas d'item. Pas d'item encore. Mais là on est là. Mais là on est en. Savez-vous pourquoi que j'ai pas d'item? Parce que l'autre est arrivé. Là vous l'avez pas vu, c'était Maple. Il est arrivé puis il a pris ce que je voulais. Fait que je finis genre dernier. Oui, le monde a été vraiment méchant avec moi sur cette course-là. Puis pas juste cette course-là, mais regardez, c'est juste un exemple que je vous donne. Les gens sont pas partageux. Ils partagent pas avec moi. Moi, j'ai pas de fun dans ce temps-là. Quand même, tu me sens impuissant après, je peux rien faire. Je peux rien faire. Bon, voici un autre exemple. Là, c'est que je me maintiens en 7e place. C'est ça l'affaire. L'affaire, c'est que je me maintiens juste en 7e place. Pourquoi tu me jetais une carapace rouge? J'ai rien. Carapace rouge, pardon, excusez-moi. Mais pourquoi c'est à moi que tu t'en prends? J'ai l'impression qu'on va déjà incompréhensible. Regardez bien, checkez bien. Qu'est-ce que vous voyez ici? Champignon. Un champion en avant, une autre carapace rouge. Vous avez vu? Avez-vous remarqué? Quelque chose. Avez-vous remarqué quelque chose? Attendez, on recule. Je veux juste vous démontrer à quel point que les gens, ok, là, abusent carrément de moi. Depuis combien de temps que tu traînes ça?
puis tout ce que tu fais, c'est venir m'atteindre. Pourquoi t'as pas dès le départ, OK, de tirer sur celui qui est en 11e place? Oui, ça soit toujours sur moi que tu cibles. Pourquoi à chaque fois que je parle de tous les joueurs, OK, contre qui que je joue, OK, pourquoi qu'à chaque fois, OK, que genre, le premier thème que j'obtiens, que je suis un champignon, que je me sens vulnérable, OK, puis je suis pas le seul non plus, OK? OK, pourquoi, dès le moment que vous avez cette opportunité-là, vous me shootez la carapace rouge? Pourquoi? Pourquoi c'est sûrement que ça tombe? Pourquoi? Expliquez-moi. Écoute, je peux même pas te tirer dessus. Pourquoi? Pourquoi c'est sûrement que ça tombe? Non, mais pourquoi? Pourquoi t'attends? Pourquoi vous attendez tout le temps à ce moment précis-là? Vous me ciblez tout le temps. Mais lâchez-moi à un moment donné. Non, mais vous ne pouvez pas vous abuser, là. Non, soyez donc sérieux, là. Pour une fois, là. Soyez donc sérieux. Vous ne pouvez pas vous abuser carrément, là. T'sais, vous dites, moi, c'est une agression, là. C'est pas en joke ce que je vous dis, là. C'est pas en joke, là. Je vous dis comment que je me sens, moi, là. Seigneur, c'est, je me sens comme agressé carrément physiquement, là. Je le laissais quand même. Oh, la bombe. Regardez, j'ai encore un autre champignon. Là, l'accélération, ça va bien. Oh, mais là, non. Il fallait que ça arrive à ce moment-là qu'il obtient ça. Bon, OK. Regardons ici. Regardez, vous voyez le joueur qui est là? Regardez comment il va jouer comme un épais. Et la carapace bleue, il l'utilise même pas. Il utilise à la toute fin devant la ligne d'arrivée, mais il n'y a personne. Moi, je suis mis 6e. Mais la dernière personne qui avait pas la ligne d'arrivée, okay, est en 5e place. Vous voyez, la carapace bleue, là, elle explose tout juste ici. Non, mais t'as réellement mal joué ta séquence. T'aurais pu, je sais pas, après ça, obtenir un triple champion, une étoile, un autre item pour t'aider. Pourquoi t'as attendu tout ce temps-là pour cette carapace bleue? Pourquoi tu l'as pas lancé à la première place? J'aimerais que tu viennes t'expliquer. Parce que sérieux, là, t'as réellement mal joué, là. T'as pas de bon sens, là. T'as réellement mal joué. T'as fini en avant-dernier, voyons. Ça a pas aucune logique, que ce que t'as fait là. Ça a aucune logique. Cette course-là, c'est pas une course de 3 tours, c'est une course de 3 sections. Une fois qu'on passe à la dernière section, c'est fini après. Quand on passe à l'arrivée, c'est fini. Y'a pas d'autre tour possible. Maintenant, voyons voir une dernière course, OK? Ça aurait pu être une course chanceuse, mais le joueur japonais qui était en avant, OK, il a fait exprès de s'arrêter devant moi pour que j'obtienne la carapace bleue avec lui. Mais là, je pouvais plus rien faire, je pouvais même pas passer à côté, rien. Il a fait exprès de s'arrêter carrément devant moi. Non, tu sais, pour une fois sur une trentaine de courses, pouvez-vous faire une exception? Non, mais sérieux, Seigneur, moi, je vous trouve vraiment peureux, là. Agir de même, moi, je trouve que c'est manquer de respect carrément envers moi. Envers moi, je parle juste envers moi, là. Moi, je trouve que vous êtes pas compréhensif du tout, là. Quand je répète ça à chaque fois. J'aime ça avoir du fun à jouer comme vous autres, mais j'en ai pas de plaisir. Pas de plaisir parce que vous êtes jusqu'à 11 joueurs à me sauter dessus. Non, mais vous me dire pourquoi vous sautez tous dessus. J'aimerais avoir une explication logique.
Quand vous voyez le 8 que j'ai obtenu au second tour. Là, après ça, bon, ok. Là, j'aurais peut-être dû faire quelque chose d'autre, mais bon. Quand la PSB va arriver. Regardez, vous voyez, il fait carrément exprès de sortir de ce côté-là pour que je vienne à 42 avec lui. Vous avez vu, il a fait carrément exprès. Excuse-moi, mais t'es un joueur vraiment peureux. Mais ça t'a rien servi vu que l'autre t'a shooté une carapace rouge de par-dessus. Pourquoi tu me fais chier à moi, Seigneur? Moi, j'ai déjà de la misère à me rendre en avant. Pour une fois, peux-tu me laisser une chance? Non, pouvez-vous me laisser une chance pour une fois dans votre vie, là? J'aime les gens n'arrivent pas à me jeter des items dessus. Les gens sont trop chanceux d'avoir des bons items, puis moi j'en ai pas. Puis ça donne ça comme genre de résultat, à chaque fois. Pour moi, je parle. T'sais, j'aurais pu avoir la première place facilement, mais. En tout cas, merci à Paul de m'avoir tiré dessus. C'était lui la priorité. Ben, il méritait bien. Moi, je vais vous dire que j'en pense, moi, des gens. Qui je vous en ligne. Vous voulez vraiment que je vous le dise? C'est seulement moi, qu'est-ce que je pense des joueurs? Ça serait vraiment pas beau. Ok, qu'est-ce que je pense réellement des joueurs en ligne? Ok, c'est que vous êtes paresseux, pas courageux et pas téméraire du tout. Voici ce que je pense. Puis moi, vos stratèges, pour moi, c'est pourri. Puis vous avez du temps à me sachant sûrement pourquoi. J'étais assez tanné. Je suis vraiment assez tanné. J'ai l'impression de retourner en enfance puis que je me fais intimider par les gars d'école. Alors que j'ai rien fait à eux autres. Puis je me fais persécuter. Sans arrêt. Alors moi je vous dis que vous êtes pas courageux, pas téméraire et paresseux.